silencieuse en arrivant, d'abord. Lustre de l'étoile oblige. Au premier verre, elle a dit: Ariane, ma sœur, pourquoi le fil? Cloche à melon, chicon, dans le patio près de leur table. Et lui: 90% dans le monde. Imaginez-vous le monde. Devant elle, potager sage et chic. Et lui: d'imbécile, vous rendez-vous compte? La dernière fois qu'il est allé à Cuba, 30 millions de dollars. Et là-dessus, 20%. M'a tout expliqué, tout. La vraie fortune. Il voudrait être pauvre. C'est vous dire, il le pourrait même pas. Grand rire. Lui, parce qu'elle, un ange, elle, 18 carats, passe. Elle, il l'attend. Mais allez donc savoir, elle, pas de réponse. Et lui, exquis, n'est-ce pas? Délicieux, très fin. Moi, ma mère, avec un peu de beurre dedans, des oignons, la mienne. Enfin, très bon. Le meilleur de la région, je vous le garantis. Mais je vous assure, attention à Internet. Fil, toile. Vous savez, parce qu'en fait, ça passe. Araignée. Essentiellement, directement sur le site. J'ai remarqué. Remarquez, non, c'est vrai que c'est vrai. Vraiment perfectible. Qu'aura un peu de feu, mais si. Seulement, difficile à imaginer, comment trouver. Disons que, eh bien, je trouve plus sympa, beaucoup plus, n'est-ce pas? Temps perdu quand même, trop lourd. Labyrinthe. Mais c'est vrai. Plus de, comment dire? Petit rire, gorgé de faim. De, oui, de, excuse, extase, peps. Oui, tiens, comme vous avez raison, à la pointe de P, par exemple, vous voyez, souris. Vous voyez, quand je dis quelque chose, je sais, moi, de quoi je parle. Tintement de cristal, porcelaine, avec l'ange de nouveau, un peu dédoré, cliquetis d'elle dans l'argenterie, elle. Peut-être se jeter à l'eau. Rire. Non, la piscine. Pourtant, j'ai commencé, je ne sais pas. Un peu trop, je suis allée voir. Je ne savais même pas que ça existait. Rire, encore une gorgée. Allez voir seulement et bingo, ça a marché. Gorgée, singulier, gorgée, pluriel. Mais alors, notez bien, moi, son monde, il m'indiffère complètement. Et pourtant, je pense, moi, lui, c'est vraiment quelqu'un, ne serait-ce qu'à le voir. Personnage. Peu de gens comme ça, cherchez pas à tricher sur la marchandise. Tellement de faux culs, vous savez. Et elle, non, ça va être cacophonique, évidemment. Je sais pas comment ils font. Rebondir comme le marsupilami. Bon, je crois que, mais c'est même plus la peine d'envisager. Encore un verre, encore, encore, et lui. Non, c'est pas vrai. C'est rien, rien. Des pauvres mères. Des merdes, c'est. Et ils font fantasmer, c'est rien. Le néant absolu, vous savez. Des rien, les gars. Galériens, ouais. Vraiment rien à leur envier à ces gars-là. Tiens, extraordinaire. Lui, 26 ans. Hein. Un DESS, je ne sais plus de quoi. Eh bien, on l'a viré sans le payer. C'était démaquillé CDI. Quel volume, quelle image, je ne sais plus. Perdu, broyé, dévoré, monstrueux, non. Et moi, je dis. À qui on va reprocher tout ça? À qui? Au sens où on n'a pas su, comme disent les Indiens, je ne sais pas si on peut être très fier, jusqu'où les besoins essentiels, je ne parle pas des États-Unis, à 76%, en Chine c'est 0,3%, ça va exploser. C'est-à-dire, j'ai le fils de ma belle-sœur, qui vit à New York ou à Londres. Je voyais récemment, pas très héroïque avant d'être évincé. Et le gros problème, comment le dire, et que le débat était, tu
jour sur la façon de le dire et l'article 5, je sais pas quoi, qui disait le principe de précaution. Tu sais, on maîtrise pas. On maîtrise pas et tu sais, le soleil, dans 5 milliards d'années, le soleil, il s'éteindra. Alors c'est extraordinaire parce que j'ai tout entendu, j'ai tout noté au fil de la conversation. Ça, c'était tellement fort que, bon, une petite mise en forme quand même.